Histoire des Hautes-Alpes. L'histoire du département des Hautes-Alpes commence le 4 mars 1790, lorsqu'il est créé en application de la loi du 22 décembre 1789. Création. Il est constitué de la partie sud-est du Dauphiné et du nord de la Provence. Il porte le nom de Hautes-Alpes car en 1790, les plus hauts sommets de France se trouvent dans le massif des Écrins. L'annexion ultérieure de la Savoie lui fera perdre cette première place, mais le nom ne sera pas pour autant modifié. A la création du département, les communes de La Grave et de Villard-Arennes, autre Manche, géographiquement tournées vers Grenoble, réclamèrent leur rattachement aux Hautes-Alpes, parce qu'elles espéraient bénéficier ainsi du statut avantageux des escartons du Briançonnais. Organisation. Département et arrondissement. 1790, 4 mars, le département est créé avec quatre districts, Briançon, Embrun. Gap. Serre. 39 Cantons. Et pour chef-lieu Chorges. 1790, le chef-lieu du département est transféré de Chorges à Gap. 1817 Février, création des arrondissements Gap. Briançon. Embrun et nouveau découpage des cantons. 1926, 10 Septembre, suppression de l'arrondissement d'Embrun. Limite départementale. Vers 1800, le canton de Monestier-Dambel. Et détaché des Hautes-Alpes pour être rattaché à l'Isère. 1811, le canton de Barcillonnette est détaché des Basses-Alpes pour être rattaché aux Hautes-Alpes. 1947, 10 février, traité de Paris, rectification de frontières avec l'Italie, annexion du Mont Tabor, vallée étroite, et du Mont Chaberton, Mont Genèvre. Depuis la création du département, le nombre de communes a été légèrement réduit, passant ainsi de 186 à 177. Préhistoire et antiquité. La Gaule narbonnaise, Dufour, la Gaule sous l'Empire romain, 1846, édition Brigantio à Briançon, est mentionnée près de la frontière est. Certains sites alpins sont occupés dès 9500 avant Jésus-Christ, d'abord de façon temporaire, puis de façon continue. Des traces de cette occupation à cette période ont notamment été découvertes sur le site de Vitrolles. Plus tard, L'âge du bronze est marqué sur le territoire par une production importante d'objets en bronze, trésors de Réalon, de guillestres, et la civilisation existant localement est désignée comme celle du bel Âge du bronze alpin. Entre le Xe siècle avant Jésus-Christ et environ 400 avant Jésus-Christ, des peuplades celtes d'origine indo-européenne, venues d'Europe centrale, s'installent dans la région. La population de celle-ci se compose alors d'un mélange de peuples celtes et ligures. Parmi les peuples celto ligures installés dans les Hautes-Alpes, se trouvent notamment les Bridiani dans la région de Briançon. Dans l'Antiquité romaine, plusieurs voies romaines traversent ce territoire, dont la principale est la voie Domitienne, qui franchit le col de Montgenèvre, passe par Briançon, puis suit la vallée de la Durance pour aller traverser la Gaule narbonnaise et rejoindre le nord de l'Espagne. Une autre voie romaine importante relie Briançon à Grenoble par le col du Lotaret. Moyen Âge et Renaissance. Au 5e siècle, le territoire connaît, comme la Gaule, les invasions des Visigoths, des Lombards, des Saxons. Cependant, des éléments de la civilisation existant auparavant subsistent, notamment les structures religieuses et administratives dirigées par les évêques et archevêques de Gap et d'Embrun, ainsi que par les dignitaires francs de l'administration civile et militaire de Charlemagne, pendant une période. Après l'essor du christianisme au Ve siècle. Une décadence religieuse et la déliquescence de l'administration et des organes de pouvoir marquent le IXe siècle. Une aristocratie militaire issue de la Provence et de la vallée du Rhône s'installe sur le territoire, installant un système de féodalité. Par la suite, le territoire est gouverné par les seigneurs évêques de Gap et d'Embrun, vassaux de l'empereur germanique et de la Provence, et les comtes d'Albon, seigneurs du Briançonnais. Le territoire couvert par les Hautes-Alpes appartient vers le début du second millénaire aux comtes d'Albon. Qui deviendront les dauphins de Viennois. Il est inclus dans le Dauphiné de Viennois, un état féodal du Saint-Empire romain germanique. Le territoire comprend alors aussi certaines vallées actuellement présentes en Italie. Cols et vallées sont témoins de nombreux échanges. Le territoire bénéficie au XIVe siècle du passage accru de commerçants et de diplomates par le col de Montgenèvre, en lien avec l'installation des papas Avignon. En 1343, les communautés de la partie nord du territoire obtiennent officiellement des privilèges particuliers du dauphin Humbert II, elles deviennent les escartons du Briançonnais, qui ne portent pas encore ce nom à l'époque. Certains historiens estiment que les privilèges concernés pouvaient exister avant cette date. La région concernée bénéficiera de ce statut spécial, jusqu'à la Révolution française. Le traité de Roman de 1349, acte le transport du Dauphiné de Viennois, au Royaume de France, qui devient ainsi province du Dauphiné. Sur le plan religieux, le XIe siècle avait vu le passage de nombreux pèlerins et croisés sur les routes des Alpes, en direction de Rome et de la Terre Sainte. À la suite de la réforme grégorienne et au développement des ordres religieux de Tchalet et des Chartreux dans le Dauphiné, sont créés les abbayes et prieurés de Durbon, Berthaud et de Boscodon. Vient ensuite la période de l'hérésie, marquée par Pierre de Bruy, hérésiarque français du XIIe siècle qui contesta l'église catholique avec violence, et les Pétrobusiens et Valdo et les Vaudois, ses croyants, Persécutés, trouvent pour certains, refuge notamment dans les vallées de Valouise et de Frésinière, qui font partie des vallées vaudoises, mais ils y seront par la suite poursuivis comme ailleurs en France jusqu'à la fin du XVe siècle. Date à laquelle le roi de France Louis XI fera cesser ses persécutions. La seconde moitié du XVIe siècle voit le royaume de France marqué par les guerres de religion entre catholiques et protestants, ce qui affecte également le Dauphiné, François de Bonne de Lesdiguières, né à Saint-Bonnet est un personnage très important de cette période et de l'histoire de France. Après la révocation de l'édit de Nantes, 1685, la plupart des protestants dauphinois s'exilent ou est obligé de se convertir. Le territoire est frontalier du duché de Savoie et certaines époques voient des affrontements entre comte d'Albon puis de Viennois et duc de Savoie, puis, après 1343, entre roi de France et duc de Savoie. Au XVIe siècle, il connaîtra également les nombreux passages de troupes françaises engagées dans les guerres d'Italie. Au XVIIe siècle, le territoire connaît également des invasions de troupes savoyardes la fortification de la frontière est alors renforcée. En 1692, les troupes du duc de Savoie font une avancée depuis la vallée de Barcelonnette jusqu'à Embrun, lors de la Ligue contre le roi de France Louis XIV. À la suite de cette percée, et une fois le territoire repris par les troupes françaises, la stratégie de défense et les fortifications de la frontière sont renforcées. Vauban, 1633 à 1707. Sera alors un acteur majeur dans la création et le renforcement des fortifications sur le territoire. Avec notamment le renforcement du site de Briançon, la ville en elle-même et les forts créés autour. Et la création de Mont Dauphin, site de nos jours inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Au XVIIIe siècle. Les troupes militaires traversent le Haut-Dauphiné lors des guerres de succession d'Espagne puis d'Autriche. Révolution et Empire français. Pendant la Révolution française, le 7 septembre 1789, l'ABCS propose à l'Assemblée nationale l'élaboration d'un plan de réorganisation administrative du royaume. La création des départements français est actée le 26 février 1790. Et leur existence prend effet le 4 mars 1790, le département des Hautes-Alpes aîné, Gap devient le chef-lieu du département. Entre septembre 1792 et mai 1804, existent en France des régimes parlementaires successifs, ensemble nommés Première République par les historiens. De 1791 à 1793, les quatre districts, Briançon, Embrun, Gap, Et Serre, du département des Hautes-Alpes fournissent six bataillons de volontaires nationaux. Pour lutter contre une coalition de pays voisins qui menace la France. Le premier bataillon de volontaires des Hautes-Alpes est principalement affecté à l'armée des Pyrénées-Orientales et participe à la guerre du Roussillon. Incidence des différents régimes politiques français. En 1804, Napoléon Bonaparte se proclame empereur des Français et crée ainsi l'Empire français, appelé par la suite Premier Empire. Ce régime durera jusqu'en 1814 et repris pour quelques mois en 1815. Durant cette période, ont lieu les guerres napoléoniennes, durant lesquelles Napoléon conquiert de nombreux territoires européens. Après la victoire des coalisés à la bataille de Waterloo, 18 juin 1815, le département des Hautes Alpes est occupé par les troupes autrichiennes et piémontaises, de juin 1815 à novembre 1818. La récolte agricole de 1816 est très insuffisante, et ne suffit à nourrir le département que pendant six mois. Après cela, la seconde restauration est le régime politique de la France de 1815 à 1830. S'ensuit la monarchie de juillet 1830 à 1848, jusqu'à la révolution française de 1848, qui met en place la Deuxième République 1848 à 1852, à laquelle succède le Second Empire 1852 à 1871, puis la Troisième République à partir de 1871. L'alpinisme. Les Hautes-Alpes ont également été le terrain de nombreuses expéditions d'alpinisme, notamment dans le massif des Écrins à partir de 1860. Le Pelvoux, 3946 mètres, avait été gravi en 1828, alors qu'on le croyait le plus haut sommet de France, la Savoie n'était pas encore française, et le Mont Blanc appartenait au royaume de Sardaigne. En juin 1864, la barre des Écrins, 4102 mètres, point culminant du massif du même nom, est vaincue. 1877 voit la première ascension de la Meige, 3983 mètres. À la fin du XIXe siècle, les premiers hôtels du département sont bâtis pour les alpinistes. Modification de l'activité économique et révolution industrielle. En 1884, le train arrive jusqu'à Briançon, dans la partie nord du département, après être passé par Gap et avoir remonté la vallée de la Durance. Ce siècle voit une émigration conséquente de la population du département, pour des raisons économiques. Au début du siècle, l'agriculture est le premier secteur économique du département. Cependant, les populations rurales de la région ont souvent une double activité, pratiquant le colportage à une échelle nationale voire internationale pour certains, ou servant de main-d'œuvre à l'industrie. La seconde moitié du siècle voit également le développement de l'industrie minière aux environs de Briançon, graphite, anthracite et métaux, et de l'argentière, plomb, cuivre, argent dans des secteurs possédant des mines exploitées dès l'époque romaine. L'industrie dans le département est cependant limitée, le territoire ayant peu de matières premières et d'infrastructures modernes, l'usine de la Chape, à Briançon, est l'usine la plus importante du département, durant le XIXe siècle, elle fermera ses portes en 1933. L'essor du tourisme et du climatisme. Durant ce siècle, le tourisme se développe dans les Hautes Alpes, Briançon est aussi un site réputé pour le climatisme. Dès 1900, le ski arrive à Montgenèvre, par le biais des chasseurs alpins de Briançon, en 1907 apparaissent dans le secteur les premières compétitions internationales. Le premier téléphérique est construit à Chantemerle, en 1941, station de ski sur la commune de Saint-Chaffray, et qui fera plus tard partie de Serre Chevalier. La Seconde Guerre mondiale. Le département des Hautes-Alpes est un des sites de la bataille des Alpes en juin 1940, durant la Seconde Guerre mondiale. Il est occupé par l'Italie fasciste de novembre 1942 à septembre 1943. Il a, vers la fin de la guerre, connu la Deuxième Bataille des Alpes. Les stations de sport d'hiver. Accompagnant l'avènement du tourisme de masse, dans les années 1970, les stations de sport d'hiver se développent dans le département. Les barrages hydroélectriques. Ce siècle voit aussi le développement de barrages hydroélectriques dans les Hautes Alpes. En 1960, le barrage de Serre-Ponçon, plus grand barrage de terre d'Europe, qui est utilisé notamment pour la production hydroélectrique, ainsi que comme base de loisirs estivaux, est construit sur la Durance.